Et voilà. Oh non, on croit qu'il y a une bonne défense. Alors, ça. Ça s'en peut. Alors, what the fuck. Ce serait énorme. Oh, allez, allez, vas-y, s'il te plaît, s'il te plaît. Allez, 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 allez. En plus, il est con. Ah, mais c'est parfait. Et niveau 10. Allez, bloque-moi. Il fait mal. Il fait mal ce. Il attaque. Allez. Voilà. Niveau 12. Oui! Special Pokémon! Non mais oui! Eh oui! Alors là. Il fait mal? Non, ça va. Oh oui, là ça va me faire beaucoup d'XP là. Oh oui.
quoi cette attaque régénération? T'as deux balles. Ok, merci. Tu fais n'importe quoi. Bon, un double attaque. Ha! C'est quoi cette attaque de merde? Quoi, coup de main, c'était plus rapide que moi? Une attaque. Oh là là, 503. Comme c'est violent. Comme. Oh, je jouis. Autre enchère. Oh putain. 55. C'est physique. Spécial. Direct. Hein. Autre enchère. Bonjour à tous, c'est Pyrux. Alors aujourd'hui on est réunis pour un cinquième ou sixième épisode de Pokémon version blanche Nuzlocke Challenge. Et comme vous avez pu le voir au début de cet épisode, je vous ai mis un entraînement intensif de mon capi. Donc, vous ne pouvez pas le voir, attendez juste un instant. Donc, non, mais bon, c'est pas grave, vous le verrez vous l'avez vu dans le petit résumé au début. Donc, je vais juste mettre Maker, non, pas Coupe, juste mettre Maker devant, parce que vu qu'on rentre dans une grotte, c'est peut-être mieux. Quoique, non, c'est bon. Donc, on est parti pour la suite de nos aventures palpitantes, je dirais. Pyrux, tout est prêt? Ton équipe est en pleine forme? Oui. Bon, allons-y. Have a go! Pyrux, ces types sont tellement butés que c'est à se demander s'ils comprennent le langage humain. Des enfants qui utilisent des Pokémon? N'importe quoi, vous y avez pensé à ces pauvres petites choses? Filez-nous vos Pokémon, ou on les libérera aussi de force. Un combat doublé. Ça va être fou. Un truc de fou furieux. Ah non, c'est pas double. C'est du 1 contre 1. Alors, franchement, la musique, ça va en fait. J'ai connu plus mythique, mais je trouve qu'elle est quand même assez entraînante. Allez, faut y aller. Oh non. Damnation. C'est qui a le plus de PV là? Alors, en moyenne au niveau 12, il devrait avoir moins de... Non, c'est bon. Je devrais résister. Oh putain. Oh là là. Ça veut dire qu'il avait... Il m'a enlevé 30. Ça veut dire qu'il avait 30 PV. Vu que j'ai enlevé la moitié de ses vies environ. Oh là là. Mais pourquoi? On est pourtant le bras armé de la justice. Pyrux, tu es incroyable. Bien, vous allez nous rendre le Pokémon de la petite maintenant. C'est pas la peine de lui rendre son Pokémon. Ah, il y avait ces deux autres. Quelle poisse! Ces gens qui ne comprennent rien se mettent tous sur notre chemin. Vous êtes deux, et nous aussi. Vous allez goûter à notre résolution et apprendre le sens de la justice. Encore vous? Depuis quand les voleurs de Pokémon défendent soi-disant la justice? Pyrux, c'est le moment de leur montrer notre légendaire sens de la synchronisation. Ah, maintenant c'est un combat double. Avant c'était juste un combat cavalier double. Donc qu'est-ce qu'il a lui? Oh non, mais non, c'est ça, c'est chiant, ça va. Bon, on va tenter de refaire... Ah non, déjà, moi, je vais faire... Je vais me soigner, déjà. Une potion, voilà. Tourniquet, voilà, merci, tu seras rien. Ça fait plaisir. En plus, je m'en fous s'il crève.
Moi par contre non, je préfère rester vivant. Alors, on va faire Fuelian sur lui. J'espère qu'il va attaquer. Putain merde, c'est pas possible ça. Tchac. Le même. Yes! Alors. Alors normalement, je suis plus rapide donc c'est bon, je tape lui. Voilà. Et lui, il tape lui, mais malheureusement. J'espère pas que. Non, non, il tape avant. Mais il tape sur qui? Il tape sur qui? Non, 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 c'est trop dangereux là. Il tape sûrement, sûrement. J'ai tellement pas de bol qui va taper sur mon maker, puis là il crève. Ah non, c'est bon, je suis. Ouf. Ah ouais, quand même, hein. Ouais, oh, une petite charge, ça suffit. Merde. Ah, c'est bon. Ah non, détection. Il se protège, il se protège. Je refais charge. Voilà. Faut vraiment faire gaffe. Ouh, je sais pas s'il évolue au niveau 16. Hein. Mon petit Raffet de taille. Mon petit cochon adoré. On capture les Pokémon des humains stupides pour les libérer de leur servitude. Depuis quand les petites frappes font la loi? Je n'ai pas entendu dire que le vol de Pokémon était justifiable, quelle qu'en soit la raison. Vous, les dresseurs, vous faites souffrir vos Pokémon. En quoi les dresseurs feraient souffrir les Pokémon? On vous rend le Pokémon, mais il va redevenir le jouet d'un humain. Quel gâchis. Un jour ou l'autre, vous réaliserez la folie de vos actes. Donc voilà, les dresseurs utilisent les capacités de leurs Pokémon. Les Pokémon ont confiance en leur dresseur et leur obéissent. Je ne vois pas où est le gâchis, ni en quoi les Pokémon seraient à plaindre. Bon, Pyrux. Je vais m'occuper de rendre le Pokémon à sa propriétaire. Donc, on va sortir tout doucement et attention parce que le prochain Pokémon que je rencontre dans la grotte, étant donné, bon, j'ai un repousse, mais bon, ça ne servira à rien, je préfère. Qu'est-ce que vous voulez? Trop génial, Pyrux! Toi et Chiren, vous avez réussi à retrouver le Pokémon! Je suis tellement content d'être votre ami! Merci pour tout! Tiens, un cadeau pour te remercier! Ah, des soins balls, ça c'est cool. Oh, des soins balls! Les Pokémon que tu attrapes avec R regagnent toute leur énergie. Bon, je raccompagne la petite. Alors à bientôt, Pyrux! Salut! Je sais pas si c'est la même voix, hein, parce que je me suis pas réécouté dans la voix. On va dire que oui. De toute façon, c'est pas dramatique hein, si je suis pas la même voix. Je suis pas un acteur, hein, moi je suis juste un youtubeur simple qui essaie d'imiter des voix de filles, de femmes. Ce qui est pas très très. Enfin, je suis pas très bon à ça. Enfin, vous me direz. Ouais, c'est pas important, mais bon. Donc je sais pas s'il faut aller en bas. Alors avant d'aller en bas, alors on va juste voir ce que c'est. Ok, merci, ça sert à rien. Que faire, que faire? Alors on va aller regarder la carte. Je sais plus du tout où il faut que je passe, donc on va aller regarder la carte. Elle est où? Putain de... Ah, merci. Utiliser, donc. C'est donc une... Ok, what the fuck, je sais pas du tout ce que c'est. On s'en fout, on va là-bas, dans la grotte, pour capturer un nouveau Pokémon, les amis. Est-ce que ça sera un Pokémon roche ou un Pokémon tout con? Mystère, mystère. Mystère, mystère, mystère. Et voici le Pokémon. Un chauve-souris. Oh, mais lui, il évolue pas. Bon, on le capture pour le fun. Je crois que ça fait baisse ça. Voilà, je peux. Oh putain, non mais tu déconnes là. C'est bon, je résiste. Il m'enlève. 12, ok.
Faudrait que je le paralyse. Parfait. Parfait. Bah du coup là je le capture avec la Swamp Ball parce que il est tout mimi, il est tout rose, puis en plus je le soigne. Pas besoin de revenir en arrière. Gonna catch ya! Eh oui, je l'ai eu. Ah oui, comment je l'appelle, chauve-souris? Un petit vol. Ah, j'ai deux Pokémon vol du coup. Il s'accroche au mur des cavernes en se servant de son nez comme ventouse. Vous avez vu, le nez, il est en forme de cœur. Ici, il laisse une trace en forme de cœur. Ah bah, c'est pour ça. Il est tout mimi. Oui, je sais pas s'il évolue, hein. Je sais pas du tout. Je suis comme toi, la masse. Ah, ouh, alors, attention. Alors, avant de donner le surnom, je cherche ma petite feuille magique avec tous vos surnoms. Alors, le Pokémon qui a le plus... J'ai envie de l'appeler comme ça, en fait. Voilà, lui, j'aime bien ce pseudo qui... Enfin, ça va bien avec chauve-sourire. Ça fait un peu chinois, alors attention. Il est où? Ah non, là, vous êtes en train de vous dire, putain, c'est qui quel pseudo chinois? Oui, ça fait un peu chinois, je trouve. Enfin, ça dépend comment vous le prononcez, en fait. Enfin, c'est vraiment court comme pseudo. Alors... Voilà. Je vais l'appeler... Alors, vous le verrez bien assez tôt. Ce que j'aurais pu choper. Oh, punaise, ça vraiment, ça aurait été mythique. Mais bon, ça sera dans une autre grotte, ma foi. Alors... Oh, franchement, ça aurait été mythique. Parce que il est vraiment over-cheaté, hein, ce Pokémon. Enfin, c'est un des seuls Pokémon qui sont vraiment stylés, je trouve. Parce que là, il a une tête de webcam, si vous voyez bien. Et en évoluant, il devient quand même quelque chose. C'est un peu comme Galekid. En évoluant, il devient vraiment une bête. Bah lui, il devient aussi une espèce de bête, même si c'est un peu le même principe, mais bon. Les Pokémon, c'est toujours le même principe, hein, d'évolution. Donc on va pas s'en plaindre non plus. Et je trouvais donc intéressant. Alors en fait, c'était en bas, fallait aller, c'était juste. On va juste alors... On va... Bah, je vais vous montrer au combat chauve-sourire. Ça va être aussi simple que ça. Je sais pas si... Oh, mais il est vraiment assez mignon. Allez, je vais juste voir sa nature. Malpoli. Donc ça augmente sa défense spéciale, ce qui est pas vraiment magnifique. Ça baisse sa vitesse. Ça c'est vraiment chiant, quoi. Oh, la choc mental et tornade. Ça, par contre, ça fait mal. Non, mais un peu comme si ça peut être pas mal, franchement. Alors... Ce qui serait pas mal, c'est aussi de trouver un Pokémon... Ah non, mais oui. Voilà, donc c'est ça, le pseudo. Oh, il est vraiment mignon. Yous. Oh, c'est comme ça, choc mental. Ah, c'est vraiment stylé. Par contre, j'ai un peu galéré pour monter des niveaux, donc en fait, tout ce qui est... entraînement intensif, je le ferai de mon côté, mais je le commente, hein. Enfin, je veux dire, je m'enregistre, mais je parle pas tout le temps. Je dis juste des petits commentaires des fois. Et puis après, ben, je vous mets comme aujourd'hui, quoi, au début de vidéo. Alors aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que c'est la dernière fois que vous me verrez avant la semaine prochaine, en gros. Et attends, je vais juste remettre. Je vais mettre Raphentai en début, comme ça il va peut-être monter un niveau et évoluer. Peut-être. Donc je disais... Ah oui, c'est la dernière fois que vous allez me voir. Enfin, en fait, aujourd'hui on est vendredi. Là je suis en train de parler, c'est vendredi. Mais je la poste samedi soir, vraiment tard. Donc si vous voulez, dimanche matin, vers 2h du matin je pense, ou un peu moins. Parce que... Non, même... Non, en fait avant, samedi soir. Ou je sais pas, je verrai. Et... Oula, onde de choc. Oula, ça va faire mal. Ah non, ça va. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah, et donc je pars à Rome. Je vous l'ai déjà dit à maintes et maintes reprises. Et j'espère franchement que ce voyage d'études, ça s'appelle, mais bon, on va vraiment faire les cons, sera excellent. Donc je pars dimanche matin. Donc j'ai pas le temps de la mettre à dimanche. Allez, Lucas, tu peux le faire.
Je disais quoi? Ah oui, j'ai pas le temps de le mettre le dimanche parce que le samedi soir je vais chez un pote, après vu qu'il est dans la même classe que moi, on se casse direct, tac tac. Et du coup, j'ai pas le temps. Voilà, tout simplement, c'est comme ça. Donc je le ferai samedi soir. Sur mon samedi dans l'après-midi, je verrai bien. On a envie. Donc il évolue pas au niveau 16. Finalement, mon petit Raffentei. Donc on va mettre cette fois, on va mettre Capi. Lui, je sais pas du tout non plus combien il évolue, c'est vraiment horrible. Je sais pas du tout. Ah, vous voyez, il y a des herbes de... Oh, il y a des herbes doubles. Ça, c'est bien pour XP aussi, je pense. Alors, par contre, lui... Bah, je suis obligé de le battre, du coup. Ah, mais celui d'avant, je l'ai battu. Ah oui, c'est bon. Bon, si j'oublie une fois de battre un Pokémon, c'est pas la fin du monde. Hein. C'est juste que j'ai l'habitude de faire... Oh, il est vraiment cheaté. Hein. Ah, Capi, il est vraiment cheaté. Hein. Ah, et je vous rappelle que... Tous les Pokémon que j'utilise, ça sera pas les 6 premiers. Je vais capturer des Pokémon à chaque route. J'essaie d'en capturer un. Et j'essaie aussi de l'entraîner. Et me faire une équipe par rapport au champion d'arène pour avoir le moins de faiblesses possible. Donc là, il y a mon ami Cheren. Périx, stop! Tu vois les herbes sombres là-bas. C'est rare, mais il arrive qu'on y tombe sur deux Pokémon en même temps. En fait, c'est pas rare du tout, mais c'est juste qu'on peut tomber sur les herbes. Si vous voyez la couleur, elle est un peu plus foncée, hein, pour ceux qui auraient pas vu la différence. On les appelle les herbes doubles, donc en gros, on peut choper des doubles Pokémon là-dedans. Donc si tu marches dans les herbes sombres, fais bien attention. Bon, je vais à Maillard. Ouais, va à Maillard. Donc on va faire un essai. Ah, attendez, juste 2 secondes. On va juste mettre... voilà, Yousse. Voilà. Vous voyez ce que je vois? Non! Putain! Oh, mais merde! Oh, mais merde! Bon, allez. Choc montage. Oh, il est rapide! Quoi? Oh, mais il est bon! Attention, on va à la défense. Ah non, il est potable, hein, il est potable. Oh, ça fait chier, ça. Bon, on va faire juste un exemple. Avec les herbes doubles. Alors. Bon, allez. On va rester tout près de la sortie, par contre. Quand tu veux. Hein. Donc, c'est pas toujours... Voilà, c'est pas toujours des... Oh, putain. Là, par contre, c'est dangereux. Non, je peux pas fuir! Ah, c'est bon. Ouf! Parce que je peux pas fuir. Ah ouais, faut que je fasse gaffe, je peux pas fuir du tout. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer de Pokémon, parce qu'en fait... Je voulais fuir parce que c'est un Pokémon qui a l'avantage sur moi. Donc on va mettre lui. Et j'ai crié parce que... j'ai pas le droit de fuir. Alors, charge-toi, si ça te fait plaisir. Défense spéciale, c'est tout. Ok. Allez. Il se fait quoi? Je sens le Honda Shock qui va me faire du one shot là. Je sais pas pourquoi. Mais je le sens. Mimique, oui, tu m'as tout fait. Hein. Alors là, le Vive Attack, non, ça sert à rien. Donc je fais bien toujours. Voilà, je suis un peu peur parce que là, il s'est vraiment boosté. À fond. Alors maintenant, bon, je vais pas vous montrer parce que ça va durer des lustres. On va juste remettre lui en devant. Voilà, en première place, en première ligne. Alors, bonjour mademoiselle. Enfin, fillette, je sais pas. Même un Pokémon pas très entraîné peut être très efficace si le dresseur sait combattre. C'est mon cas, bien entendu. C'est pour ça que je fais un Nuzlocke Challenge, sans me vanter, bien entendu. Non, mais les tips, c'est vraiment important de savoir. C'est pour ça que je suis un peu... Alors... Niveau 13, il est de type... Il a les attaques psy. Et vol. Donc... On va changer. On va mettre lui, parce qu'il est pas très bon en défense, chauve-souris, j'ai pu le constater avant. Donc on va mettre Capi. Choc mental, ouf, il fait mal, hein.
Allez, j'attendrai ce que ça lui enlève. Ah, mais il est bon ce trou du cul. Putain de bon même. Alors là, il s'est fait un coup critique qui me tue encore. Alors. Juste voir, voilà, 37, tranquille, voilà, tornade, là ça a pas m'enlevé beaucoup normalement. Voilà, c'est bon, là je résiste à deux chocontales. Enfin en tout cas. En tout cas, hein. Assurance. Ok, là je. Ouais, c'est bon. Ouf. Ah bah quand même, hein. C'est quand même chaud hein. Ouais, mais bon, là, avec un Pokémon, c'est pour ça que c'était assez chaud. Donc là, il n'y a rien du tout. Là je sens la un Pokémon donc. Un petit miaou. Miaou 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 miaou. Bon mais qu'il faut qu'il monte un niveau parce que là il commence à devenir un peu moins cheaté que d'habitude. Donc fou Eliane à fond. Oh le défonce lui ça. Je ne dirai pas le nom. Je ne dirai pas le nom. C'est bon. Non ça va, là l'équipe elle commence à se construire. J'ai mon Yous, je suis content. Oh merde. Franchement, j'aime bien ce mot, ce pseudo, Yous. Je crois que c'est ça, hein. je sais pas si j'ai coupé ton nombre. Je crois que tu t'appelles Yous. Au pire, tu me diras. Hein. Bon, c'est pas important les nombres, hein, tant que vous reconnaissez mutuellement. Hein. Alors, ça c'est bon. Bon, je vais me soigner là, parce que là, c'est un peu... Je suis un peu amoché. Désolé de faire trop d'aller-retour, mais c'est comme ça, mes Ultimates, il faut vraiment faire attention. Vampigraine, ça c'est vraiment excellent. Gros yeux. Là maintenant, dorénavant, je fais Vampigraine et j'attaque. Comme ça, il n'y a pas de souci, à part si c'est un Pokémon vol en face. Là, par contre, je le mettrai pas. Ou alors, je mets Vampigraine, mais je change le Pokémon, parce que sinon, ça risque de faire très très mal. Par contre, ça peut être vraiment très très utile. Surtout contre des gros champions d'arène qui ont des Pokémon assez cheatés. Bah, je mets Vampigraine. Et ben je le suce à chaque tour et lui il peut rien faire. Il peut strictement rien faire. Puis moi au pire je peux me soigner à la potion et je lui enlève des vies. Vampigraine c'est bon, une attaque à garder. À garder. Soigneusement dans son moveset. Merci madame. Alors. Oh c'est déjà l'heure je crois. J'ai commencé à quelle heure? À 4h30 je pense. Bon alors je fais encore 10 minutes. Je suis né à 5h, ouais, c'est bon. Ouais, au pire, vous aurez un gros épisode. Juste voir quel Pokémon est en premier. Ok, je change. Ouais, franchement, l'équipe là elle commence vraiment à devenir cheatée. Moi j'aime bien. Ok. Parce qu'elle a dit, je crois que c'est une connerie. Mais bon, ça va. Pour assimiler la théorie, il faut la pratique. Ah oui, non, c'est juste, je crois. Alors, c'est parti, mon kiki, tranchère. Oh, cette attaque est vraiment cheatée. En plus, je crois qu'elle a un haut coup critique. Ou alors, je dis des conneries. On verra bien si j'en fais un d'ici pas longtemps. Détection, ils ont ça, c'est con. Alors, finalement, je ne sais pas si c'est vraiment... Ici ils ont vraiment un autre chose à haut taux de coup critique. Par contre je peux louper hein, parce qu'il y a 95% de réussite. T'as toujours les mêmes Pokémon qui viennent, c'est chiant. Franchement j'aime pas les débuts d'aventure Pokémon, c'est toujours les mêmes. Après par contre les surprises se feront maintes et maintes fois parce qu'il y aura vraiment plein de Pokémon que je verrai pas tout le temps. Là il m'a bien amoché encore. Jet de sable, ok vas-y, fais-toi plaisir. Allez Capi, sois fort. Sois fort. J'espère qu'il évolue au niveau 16. Hein. Ce serait excellent. Oh non. Ah non, non, en fait je pense pas parce que il a qu'une seule évolution. Je crois. Enfin il peut. Soit si il a une femelle, il peut évoluer dans un truc, et si c'est un mâle à un autre. Mais je sais que le mâle c'est le plus stylé des deux. Selon mes souvenirs. Mais putain, j'ai glissé là. Vas-y là. Boy chigan. Putain mais niveau 11, moi je l'ai au niveau 8, je crois. Quoi cette arnaque là? Bon mon petit gars. Merde, pourquoi je fais ça? C'est pas grave. Oui oui, fais-toi plaise. Mon capi, de toute façon, il va te trancher. Il va te trancher, le cochon. Alors attention, enlever 7. Ah c'est bon.
Niveau 16, on va voir s'il évolue ou pas. Je pense pas, mais bon. 23, 21, 19, 17. Ok. Non. Définitivement pas. Je sais pas du tout comment il évolue, hein, franchement. Et ne le dites pas dans les commentaires, parce que j'ai pas envie de savoir. Je vais voir. Je vais vraiment avoir la surprise de voir quand il évolue. J'ai pas envie de savoir. Yeah, ne veut pas savoir. C'est tout. Donc faut juste que je fasse gaffe au vieux attaque, hein. Ouais, c'est bon. Donc là, je peux mettre mon... Putain, il est déjà moché, là. Ouais, à mon avis, dans le niveau 20. Parce que, ou quelqu'une seule évolution, ouais. 20, peut-être 20. Je pense 20. Alors... Bon, bah, on va mettre Trafentei. Bonjour, monsieur. Je viens de réfléchir à une nouvelle tactique pour gagner. Ok, si tu veux. Ah, mais je viens de me rendre compte. Non, non. C'est pas une nouvelle route, ça, non. Non, non, non. Je suis fou, moi. Faut pas abuser. Allez, you one shot, là. Même pas. Tornade. Bon, là, c'est pas trop efficace. Oh, quand même, hein. Ah, un coup critique. Oh putain, il est cheaté là quand même. Bon. Ah, mais ça va là, tu te fais pas plaisir. Oh, ce poulet là. Alors, franchement, il a une tête de pigeon. Ouais, c'est pour ça qu'il a, il a Poichi. Bon. Ça finit par. Par Jean comme pigeon. Merde. Bon, il a pas d'attaque. Bon, le nitrochat, on s'en fout. Alors, est-ce que j'enlève? Ok, bon. Coup de boule. Oh, putain, fait mal. Hein. Maker, il est en pleine forme. Après ce combat, je vous laisse. Ouais, je pense que vous le laissez. Parce que je pense que j'en ai déjà assez fait. Putain, mais Nodulite, comme il est cheaté, c'est abusé. Fouillam. Allez, premier coup. Hein. Ah, c'est pas possible. Hein. Arrête-toi avec tes jets de sable là! Webcam de merde là! Webcam. Franchement, il a un petit air de webcam. C'est vraiment bizarrement inventé comme Pokémon, mais bon. Pourquoi pas, je dirais. Alors, on va juste voir où ça nous mène cette porte, ou je crois. Ce passage, cette transition. Cette. Mince, zut et flûte, j'aurais dû acheter plus de Pokéball. J'ai laissé filer le Pokémon que j'ai voulu attraper, que je voulais attraper. Depuis longtemps, ok, merci. Attends, je vais voir si c'est la route 3. Oui, j'ai eu peur là. C'est qui celle-là? Tiens, j'ai une petite question. Tu préfères jouer à l'extérieur ou chez toi? Jouer? Bah, en fait, ça dépend. Mais je dirais que si on veut jouer à Pokémon, si on est dans le concept, enfin dans le... Dans le sujet Pokémon, je dirais chez moi. Enfin, chez moi, ça veut dire ouais, à l'intérieur, quoi. Qu'est-ce qui t'attache le plus? Les choses que tout le monde sait? Ou celles que presque personne ne sait? Ce que tout le monde sait, plutôt, oui. Ah, ok. J'ai l'impression que tu es une personne généreuse. Ah, merci. Merci beaucoup. Et nous voici à... Maillard, il va s'arrêter là parce qu'il a le trou du cul qui m'attend. Donc, on va clore cet épisode en vous disant que... Bah, c'était un épisode riche en... Oh, riche en combat, on va dire. J'ai avancé un petit peu dans ma quête. J'ai capturé un quatrième Pokémon qui s'appelle Yus. Et le Pokémon, c'est exactement, il s'appelle le chauve-sourire. Donc c'est une chauve-souris, hein, magnifique. Mais il est vraiment assez mignon. Et il a l'air assez cheaté parce qu'il est psy-vol, c'est pas mal. Donc j'ai deux types vol pour l'instant, un type plante et un type feu. Donc c'est vraiment un peu de tout, c'est pas mal. Donc pour l'instant j'ai juste un décès, c'est pas grave, la vie est belle, ça continue. Donc je vous retrouve pour le prochain épisode, bah tout simplement quand je reviens de mon voyage d'études à Rome. Donc ce qui signifie la semaine prochaine, enfin je pense vendredi de la semaine prochaine je ferai un épisode, vous inquiétez pas. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne
Bonne soirée, bon après-midi, comme vous voulez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ajoutez-la à vos favoris si elle vous a plu énormément. N'hésitez pas à écrire des commentaires constructifs. Dites-moi ce qui ne va pas chez moi, comme ça je peux me corriger. Dites-moi ce que vous avez envie que je garde. Je sais pas moi, la qualité... je sais pas, l'élocution, si vous voulez que je fasse plus le con... Mais vraiment comme vous voulez, j'essaierai de faire ce que vous avez envie que je paraisse. Vu que je fais quand même mes vidéos pour vous. Étant donné que sinon je jouerai pour moi tout seul, quoi. C'est pas drôle. Donc, si vous avez envie que je fasse quelque chose de particulier dans certains épisodes, je sais pas moi, faire plus le pitre ou tout simplement le contraire, faire plus sérieux et puis dire plus de choses sensées avec des statistiques, si vous avez envie que j'apprenne un peu plus les niveaux pour que je puisse vous dire quand ils évoluent, etc. N'hésitez pas, écrivez tout ça dans les commentaires. Je lis tous vos commentaires, je réponds à tous vos commentaires. Tonton Pyrux est là pour ça. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée. Ciao, ciao.